Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce 13ème épisode du Let's Play de Breath of the Wild, l'ère du fléau. Je me trompe encore sur le nom, c'est pas grave, vous allez pas me faire chier. La dernière fois, on avait fait l'escorte ici, de la source avec Zelda. Et là, on part sur le château d'Hyrule. L'application des mesures pour contrer le fléau se déroulait sans encombre. Mais Zelda ne décelait toujours aucun signe de l'éveil du pouvoir du sceau. Misant tout sur ce maigre espoir, elle décida d'aller méditer à la source de la sagesse. Ouais, mais là, là... Seuls les plus de 17 ans sont autorisés vraiment... à accéder à la montagne de l'Anel, berceau de la source de la sagesse, car elle dispose de la maturité nécessaire. Ah, donc ça va vraiment être Zelda, ça, le retour de Ganon. Zelda résolut donc de s'y rendre le jour même de son anniversaire. Putain. Hélas, le fléau devait renaître le jour même de l'anniversaire de Zelda. Le roi d'Hyrule ordonna donc l'évacuation de son peuple et déploya les 4 créatures divines afin de limiter les dégâts causés par le fléau jusqu'au retour de Zelda. Mais... Wouah, ça va vraiment être le retour de Ganon. Là, tout de suite, là. Putain, et je vais arrêter après ça. Moi, c'est ma dernière vidéo avant d'aller me coucher, là. Oh mon dieu. Je vais arrêter sur ça, vraiment, je ne sais pas ce que je... Putain, je pourrais pas jouer après, oh mon dieu. J'ai déjà le boule, j'ai déjà les boules. L'analyse des dernières données est enfin terminée. Fais-toi. On va se calmer, Pharas. On a compris. Arrête un peu de fanfaronner et montre-moi donc ça. Surtout qu'en plus, tout le monde s'en fout. Pourquoi ils s'en foutent? C'est genre hyper important. Oh. Mais c'est... Je fais un geste. Ah. C'est dommage. J'ai vraiment manqué de vigilance, désolé. C'est ballot. Ah là 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 là. Si Pharas n'avait pas été là en mode ah, je l'ai, ça y est. Peut-être qu'on n'en serait pas là. Putain, j'ai oublié de lui changer sa costume. Nombreux sont ceux qui ont placé en moi tous leurs espoirs. Oh merde. Je ne peux pas les décevoir. C'est ma dernière chance. Ne vous en faites pas, votre Altesse. Une fois à la source de la sagesse, vous verrez. Je suis sûre que tout se passera bien. Alors, j'y vais. Père. Est-ce que le roi va mourir? Tout va bien? Oh. La tablette Sheikha. Pourquoi aurait-elle des ennuis? Déjà? Non. Si! C'est impossible! Non! Elle a même pas le temps de partir! Alors, maintenant faut rejoindre Roudania. Pop, 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 pop. Oh! Oh, me dites pas que. Le fléau Ganon est déjà là! Visiblement, l'ennemi a décidé de prendre les devants. Putain! Alors là, on est dans un beau pétrin. Ah bah, je suis d'accord. Si le château d'Hyrule est tombé aux mains du fléau. Oh ah! Elles reviennent sous terre? C'est ça qui se passe là? Ou juste elles se désactivent? Fuite du château d'Hyrule. Mais là, on a pas l'air de fuir selon la carte en fait. On a vraiment l'impression de. Bah, d'aller au. Ouais, ça, c'est vraiment. On va chercher le père et après on se casse, c'est ça? C'est des bocaux noirs! Putain, on est passé au stade au-dessus là, c'est ça? Oh mon dieu! Rien que savoir ça, ça me fout les. Les chocottes.
Ton père il est sympa mais il attendra, moi j'ai un fort à prendre là. Il est que le roi, hein. Ça y est, on est enfin passé au niveau au-dessus des Bokoblins quoi. Pour moi vraiment, l'avancée du jeu ça se montre en fonction du niveau des Bokoblins et des Moblins. Hein. Là pour moi c'est bon, on a trois quarts du jeu là. Bon c'est sûrement faux mais... Zelda, est-ce que tu peux ne pas te mettre sous les coups du moblin? Ce serait vraiment très urbain de ta part. Parce que là, tu me casses les couilles en fait. Bon, continuons notre chemin. Mais il y a du monde, dis donc. Enfin, c'est le principe de ce genre de jeu, mais. C'est ça qui est jouissif, putain. Désolé, tu me fais chier. Dégage, allez hop, ça dégage. Visiblement, on va aussi aller dans la partie intérieure, j'ai envie de dire, du château. Par où on va y aller? Est-ce qu'on va y aller de la salle du trône? Donc en passant par... Ah, il devrait y avoir une entrée, oui. Normalement, je ne sais pas. A voir, écoute. Hop. J'aime bien parce que ils ont tenté de varier un peu les trucs des Korogu, mais c'est vraiment juste... Appuyez sur Y. Voilà, c'est gagné. Genre ils ont vraiment pu faire un petit parcours pour ce genre de celui-là, parce que, ce genre de Korogu-là. Ça aurait été, tu sais, faire varier un peu les plaisirs. Plutôt que juste vraiment... Là, tu vas devant un truc de Korogu et tu appuies sur Y, voilà, c'est gagné. Et le gardien, non, pas encore réveillé, c'est bon. Ça me paraît inquiétant quand même. Moi aussi, j'accomplirai mon devoir, mais tu dois aller à la source, toi. Tu peux pas aller aider ton père. Ah si, c'est bon, le gardien se réveille. Est-ce que je peux lui niquer sa mère ou est-ce que c'est trop dur? Il y en a un devant. Ah non, c'est bon, il n'y en a pas derrière. Ganon a pris le contrôle des gardiens? Ah c'est vrai que vous êtes pas au courant, vous. Oh ça va, je lui fais masse dégâts en un coup. Pouah! Oh là là! Ah, tu te retrouves comme un con là, t'as plus de pattes! Ah, on l'a poutré sa race, hein. Non. C'est très joli quand même l'ambiance là, putain. Le chemin vert, le fond derrière en orange, les particules violettes ça et là. Putain, c'est vraiment très beau. Parce que d'habitude, je suis pas fan de la couleur orange, tu vois. Je me dis, bon, la couleur orange, c'est pas très beau. Mais là, franchement, ce coucher de soleil, il est magnifique. Je suis... Franchement, c'est très beau. En plus, Link, je l'ai encore full vie, donc il fait ses putains de laser, là. Laser, on se comprend. Donc c'est pareil, ça fait de belles particules et tout, franchement. Là, on a un beau plan, beau panorama. En plus, j'adore les panoramas. Celui-ci est magnifique. Bah enfin, voyons, c'est pas très... Mon père est ici. Non. Enfin, j'ai pas l'impression. Ah, celui-là, il est un peu plus énervé, le gardien. Oh! Est-ce qu'on est... On est où? On n'est pas dans la salle? Est-ce qu'on est pas dans la salle avec où il y a Ganon ou pas? Je crois. Ouais, je crois. Ah! Ah bah ça fait deux en plus, mais ils ont pas l'air corrompus. Si? Et bah ils ont pas le... Ah si, c'est bon. Tu veux bien toi aussi te mettre? Ah merci. Encore des gardiens, faites attention! Ça vous laisse un midlife? Allez, on va faire un deuxième. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous savez où mon père? Le roi a passé un passage secret. Nous avons fait rêver du reste du groupe. Ah, tu vois? Échappez-vous par le passage secret. Alors, le passage secret... Ouvrir. Ah oui, très bien. C'est vraiment... On part sur un passage secret, quoi. Et on arrive dans les... Ok, très bien. Sur les quais. Il était pas très bien caché ce Korogu, hein, honnêtement. Il y a même un coffre ici. Épée de chevalier, super, pour le vendre. Oh, il y a un Korogu encore à côté. Putain. Est-ce que je peux aller au sanctuaire, hein? Comment ça se fait qu'ils aient pas trouvé ce sanctuaire là? C'était juste un immense coup à ouvrir. Genre, ils l'ont pas activé par mes gardes. Oh, en plus là, la coupe est allumée.
Mais le sanctuaire n'est pas là, enfin, indubitablement. Quelles sont les conditions d'accès, il faut quoi, enfin, je ne sais pas. Faut qu'elle ait été éteinte et... Oh, hallebarde de garde royale, carrément. Je ne comprends pas, enfin bref. Par où la sortie? Par où la sortie? Par là-bas. Le roi, en fait, s'est déjà barré, hein, j'ai l'impression. Il nous a pas attendu. Un gardien, mais ils sortent d'où, gros? C'est incroyable, ça. N'importe quoi, hein. Genre juste, pop, je suis tombé du plafond. Il est tombé. Ah, oh, il y a l'étude du roi, là. Attends. Je m'en branle, d'autres gardiens, mais il y a l'étude du roi, je vais aller voir. Un petit corgo, monsieur le roi. Ah, il y a un coffre, quand même. Un espadon de garde royale. Bon, c'est déjà bien, écoute. Avec ce qu'on a. Et on continue. On passe par là-bas. On a un grand couloir vide. Enfin, je suppose. Le stress, tu vois, ce serait d'avoir un linel dans un couloir comme ça. Surcadenceur antique. Oh, Ziggy, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu au bout là-bas? T'as un putain de gardien de... d'épreuve de combat? Mais quoi? Nano gardien? Bah ouais, mais c'est... Mais tu n'es pas à ta place ici. Ta place est dans un sanctuaire. Mais enfin. Ce n'est pas sérieux. 1.0, donc on va se taper vraiment jusqu'à 3.0, c'est ça? Putain, j'ai déjà peur. Bon, au moins je l'ai tué rapidement, c'est déjà ça. Ah, j'ai du soin, c'est pour l'utiliser, je vais pas me faire chier. Même si c'est pour un seul cœur, bon. J'ai envie de faire des zooms. Des... Est-ce qu'il y a des gens qui étaient pas censés être avec moi? Non, c'est pas grave. Et est-ce que j'ai vu correctement là? Non, hein. C'est quoi là? De la nourriture. Très bien. C'est pas des... Ils sont blancs? Mais non, mais c'est pas... C'est pas comme ça que c'est censé se faire. Je vais où sur la carte là? Je vais aller à gauche d'abord. Mais ils sont blancs, bah c'est... Déjà? Mais enfin... C'est peut-être un peu précipité, non? Moi j'ai peur. Putain, je pensais vraiment que ça allait prendre le temps, du coup, ouais, c'est absolument pas la fin du jeu déjà. Mais ma théorie du début d'épisode est totalement à l'eau, hein, vraiment. Faudrait que je me dépêche, parce que je crois que cet épisode va faire 30 ans sinon. Alors venez ici. Oh, je peux casser les tables. Oh mon dieu, ce bordel! Il y a tellement de monde! Est-ce qu'il va y avoir des dorés? Sûrement. Enfin, je pense qu'il va y avoir des dorés, non? J'ai pas envie d'affronter un linel doré. Je l'annonce, hein. J'ai pas du tout envie d'affronter un linel doré. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça peut arriver. Ah, je peux aller sur le... Ah, très bien. Les versions dorées sont uniquement disponibles dans le mode... héroïque de Breath of the Wild. Donc si vous n'en avez pas croisé pendant que vous jouiez, c'est normal. Par où je vais maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Un mobline de feu, très bien. Je veux juste pas de linel. Quoique, je les ai poutrés tous les linels que j'ai vus. Faudrait que j'arrête d'avoir peur un peu. Il faudrait que je mangaillardise. Et tous les moblins, enfin, ouais, les moblins spéciaux là, c'est tous des moblins rouges, enfin, c'est quoi, enfin... Ou alors, le fait qu'il soit spécial... Spéciaux. Le fait qu'ils soient spéciaux fait qu'ils peuvent pas avoir de changement de couleur de base. Il peut pas y avoir un argent, c'est pas blanc, c'est argent. Un argenté de feu, c'est possible? C'est forcément un rouge de feu? Bon, je veux dire, pourquoi pas, hein, mais... Quitte à recycler les mêmes ennemis, autant faire vraiment 25 000 versions. Par contre, j'espère que ces versions-là d'ennemis, là, elles rapportent plus de matériaux. Hein. Tous ces gens là, tous ces argents, calmez-vous. Moi j'ai peur, hein. Tant l'argent, j'aime ça, hein. Mais pas serein là. Ah, un linel blanc, mais enfin, déjà, enfin, du coup, ils sont bien blancs, hein. Mais ouais, ok, c'est pile poil quand je disais je veux pas affronter un linel blanc, et le jeu il a fait lol, tonton QMDR. Bon, ça va, les linels, je les poutre sa race, mais enfin, leur race, mais quand même.
C'est impressionnant. Hein, c'est le fléau de Breath of the Wild. Je prends cher ma race. C'est pas passé. Mais moi je suis invincible, écoute. Allez, crève. Oh mon dieu. Oh, ce stress de m'avoir foutu face à un Yennel blanc, vous êtes des malades, hein. Bon, ça va que les Yennel, vraiment, je les défonce. C'est ceux contre qui j'ai réussi le mieux mes parades. Ah, vraiment, les... Bon, écoute. Link, je vais rien dire, mais Kryonis avec toi, ça sert à rien. J'ai tenté de l'esquiver, mais bon. Une fois, j'ai réussi. Puis après, bah, puis après, non. Je suis où? Allô? Ok, j'étais au plafond. Je peux avoir une vision un peu plus, ouais, globale. Merci. Je pense que c'est fini déjà là. Ouais, c'est le finishing ça. Le fatality. Après que là j'ai le micro en plein milieu de. Ah, il a filé quand même pas mal de matériaux, je suis content. Sabot, corne, j'ai un peu de tout, c'est génial. J'ai même eu un crabe. Alors, on va taper dans tout ce bocal boom là. Dirigez-vous vers le point d'évasion. Yes, sir. Hop, le point d'évasion, c'est au-dessus de là où je suis arrivé, très bien. Alors, laissez-moi y aller. Non, c'est pas au-dessus de là où je suis arrivé, je raconte n'importe quoi. Est-ce que je peux y aller, tu penses? Oui, c'est au-dessus de là où je suis arrivé, oui, oui. Je suis pas fou. Et je visite pas, j'ai pas le temps. C'est fini en plus. Ne perdons pas. J'ai pas lu ce qu'elle avait dit. Désolé. Ah. Ah, donc il est con, il a raté son occasion. Oh! Oh! Yo! Yo! Fuyez! Fuyez le chevalier servant de la princesse d'Irule. Fuyez, pauvre fou! Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Énorme. Putain, je pensais pas voir le roi se battre. Vraiment, je pensais qu'il était juste un poseur avec sa clé mort. Pouah. Je suis le roi. Ah bah ça va être compliqué là comme situation tout de suite. Ma fille. Je te la confie. Bon, je l'aime bien le roi. Ça m'embête un peu qu'il meure. Enfin, on le voit mourir comme ça. Mais au moins il a été clair dans ces derniers instants, c'est cool. Il est tombé. Wouah. T'as vraiment, il est... Ça les pond, hein. Et on les a même pas vus sortir de terre, ces piliers. Juste une cinématique qui sont là, une cinématique qui sont plus là. Enfin, l'inverse. Une cinématique qui sont pas là, une cinématique qui sont là. Ah ouais, elle en perd espoir au point de faire tomber sa tablette Chica, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait pas vu. Ah oui, il y a ça aussi. Mais on avait pas vu le... Ce qu'avait trouvé Pharas sur la tablette. Oh non. Non. Ah bah c'est la giga merde, on va pas se mentir. Mes amis. Et mon père. Tout ça par ma faute. Pourquoi mon pouvoir ne s'éveille-t-il pas?
C'est cool qu'il lui ait fait siffler la version Zelda. Tous les efforts que j'ai fait jusqu'à présent, tout cela n'a servi à rien du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce quoi ? Ta-na-na-na. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Qui ? Quand ? Que ? Où ? Regardez ! Alors, rien n'est perdu ? Il y a forcément encore quelque chose à tenter. Et quoi, il a appelé les créatures divines, c'est quoi qui s'est passé ? Là, on va aller les sauver une par une, je suppose. Pourquoi tu pars comme ça toute seule ? Pourquoi t'attends pas ta princesse ? Mais pourquoi vous partez tous les deux tout seuls ? Mais bande de cons, mais faut pas la laisser toute seule, mais vous êtes cons quoi, c'est pas possible. Et ça va marquer la fin de l'épisode ? Alors, je vais quand même regarder ce qui se passe sur la prochaine mission. Ah ok, on va avoir 4 missions. Oh, une nouvelle mission X. Je me ferai peut-être un épisode. Mipha, Daru, Corbosa et Rivali sont enfermés dans leur créature divine. On peut plus les jouer ? C'est ce que tu me dis ? La galerie a été mise à jour. Sauvetage de l'ouest d'Hyrule. Sauvetage de l'est, évidemment, voilà. Et du coup, je vais vous laisser là. Voyons voir. Donc oui, la prochaine fois, on a 2 sauvetages. Attends, c'est quel... Est-ce que c'est toujours dans le chapitre 5 ? Fuit du château d'Hyrule, ouais, c'est vrai. Eh, j'ai presque tous les Korogu quand même. Donc là, on a... Ouais, Urbosa. Qu'est-ce que c'est fou là ? Ah oui, ok, enfin bref. Ah, Urbosa et Revali, donc on va sauver 2 créatures divines à chaque fois. Et là, on a Mipha et Daruk. Il va être où, Daruk ? Sur le flanc de la montagne ? Ok. D'accord, d'accord. Bah du coup, voilà. Je sais pas encore par lequel je commencerai. Je pense Urbosa Revali. Après Mipha Daruk, mais bon. Ouais, je me connais. Bah, je vais juste regarder. Est-ce qu'on peut vraiment juste plus prendre... Ah oui, vraiment, on ne peut plus les jouer. C'est fini. Ah putain. Bon. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais farmer à mort et jouer dans mon coin comme un grand. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est très important, j'en ai besoin. Pour ça, vous les connaissez, les méthodes. Partagez la vidéo, mettre un pouce bleu, me le dire dans les commentaires. Et surtout, vous abonner. Ça, c'est très important. Parce que, damn, qu'est-ce qu'on aime que ce monde, ce chiffre des abonnés augmente. Ça fait plaisir. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis au revoir.